projet, c'est la rencontre de deux musiciens issus de la culture plutôt classique avec deux musiciens qui sont issus de la culture du jazz. Et l'envie de croiser en fait ces deux univers, l'univers de la musique classique et l'univers du jazz et de l'improvisation, et que finalement chacun fasse un bout de chemin vers l'univers de l'autre. Donc les musiciens classiques se sont essayés à l'idiome du jazz et de l'improvisation, et en échange les musiciens de jazz se sont attaqués à des partitions classiques. De base était de trouver une espèce de communauté d'esprit en fait entre les leaders, certains leaders de Schubert et certains standards de Duke Ellington, et de faire entendre en fait à l'auditeur à l'intérieur d'un groupe qui aurait son propre son vraiment établi de groupe de musique de chambre, que l'on pouvait faire entendre ces musiques là en les juxtaposant, peut-être même à certains moments en les mêlant l'une à l'autre, et faire ainsi entendre que ces musiques racontent la même histoire en fait, et qu'elles parlent la même langue de musique. Il y avait vraiment le thème du désir et de la solitude qui revenait toujours en filigrane. Ces compos de Schubert ou de Duke Ellington, en les jouant, pour ce qui est de Schubert, on les joue de Pascal Dussapin, la musique contemporaine, ou de Shostakovich, on les joue telles qu'elles sont écrites du point de vue des notes, et on fait de l'improvisation avant ou après. Mais donc, dans nos improvisations, on prend des morceaux, on déconstruit, on prend quelques briques choisies dans ces murs pour essayer d'en faire un matériau de discussion, d'échange et de construction nouvelle. Voilà. Ces mélodies nous servent à ça. Non ? Absolument. C'est un peu ça ? Ouais.